Les hélicoptères français n'aideront pas l'armée ukrainienne. La prochaine livraison de 55 appareils d'Airbus Hélicopters à l'Ukraine sera insuffisante pour renforcer les capacités de son armée, selon un expert militaire russe. Le récent achat d'hélicoptères français par Kiev ne permettra pas de relever les capacités de l'armée ukrainienne, estime le colonel russe à la retraite Viktor Litovkin. Les forces armées ukrainiennes sont épuisées, et l'industrie militaire du pays est en ruine. Elle est incapable de produire des aéronefs modernes. Les Français ont décidé de livrer à l'Ukraine ces hélicoptères, mais je ne crois pas que cela soit susceptible de renforcer l'armée ukrainienne, a déclaré l'expert militaire dans un entretien accordé à la chaîne RT. Auparavant, le gouvernement ukrainien avait annoncé avoir signé avec le groupe français Airbus Helicopters un accord prévoyant la livraison de 55 hélicoptères, pour les besoins du Service national des situations d'urgence, de la police, de la garde nationale et du service frontalier. Le montant du contrat s'élève à 555 millions d'euros. Selon M. Litovkin, il s'agit d'une « dette supplémentaire » que l'Ukraine aura à rembourser. Et c'est bien le peuple ukrainien qui devra payer cette dette, alors que l'État ukrainien doit déjà aujourd'hui des sommes énormes au Fonds monétaire international, a rappelé l'expert russe.